give me his permission. Salut à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment créer des effets reverse sur des voix et comment changer la tonalité d'une voix grâce au pitch en mode autonome. Pour ce faire, nous allons utiliser les pistes audio de la MPCX. Écoutons le genre d'effet que nous allons créer. Pour créer cet effet vocal, allons dans Edit Audio. Ceci va afficher la plage audio de votre piste 1. J'utilise l'outil de sélection pour choisir et éditer mes points d'entrée et de sortie de ma plage audio. Ensuite, nous allons appliquer une réverb en ouvrant le bandeau de la piste en question. Sélectionnons le type d'effet que nous voulons, sélectionnons l'outil d'édition et assurons-nous que la réverb est à 100%. Revenons à la timeline pour écouter notre effet. La réverb est appliquée. Nous allons resampler ceci directement dans la MPCX. En appuyant sur Sampler et en s'assurant que Resample Left and Right est sélectionné en entrée. Appuyez sur Arm, Record et Play. Appuyez sur Stop. Je renomme le sample et l'envoie vers la destination de mon choix. Appuyez sur OK et revenez au menu principal. Nous avons créé notre sample, ajoutons-le à notre piste audio en appuyant sur Edit Audio, Bouncer et ici nous pouvons voir notre sample. On peut ajuster notre timeline et on appuie sur Do It. On peut désactiver notre reverb original de la piste audio. Maintenant, sélectionnons notre audio avec l'outil de sélection. Et nous allons inverser cet audio. Écoutons ça. Maintenant, repositionnons notre fichier audio. Assurons-nous que notre point de fin se finisse au début de notre voix sur la piste 2. Pour ce faire, sur notre piste 1, utilisons l'outil de sélection. Pour sélectionner notre plage audio, en touchant la partie basse pour gérer le point d'entrée et de sortie. En touchant la partie haute pour déplacer votre plage audio en temps réel jusqu'au point d'entrée de votre piste audio. Ensuite, vous pouvez augmenter le volume. Maintenant, appliquons un effet de pitch sur notre voix principale, piste 2. Sélectionnons la plage désirée. Je sélectionne semi et je baisse la tonalité de plusieurs octaves. Écoutons ça. Maintenant, écoutons ça avec notre reverse. Maintenant, écoutons notre piste entière. All you give me is permission.